Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de tendresse aussi. De romantisme, on peut dire. Et de technique dans ce numéro. Surtout. Blandine. Venez et nous Thomas. Rejoindre tous les deux. Voilà. Paul. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Vous étiez venu, j'étais pas convaincu en premier lieu. Et maintenant, je vois ça, c'est un ballet aérien. Et avec votre ami, c'est très romantique. Je trouve ça agréable. On s'embête pas un seul instant. Et ça fait une augmentation de votre capacité à faire ce genre d'exercice. En plein air, ça fait du trapèze, mais c'est pas du trapèze, c'est bien mieux que ça. Et je trouve que vous faites ça très bien. Alors, Blandine, entre l'audition et ce que nous venons de découvrir, il y a un monde de différence. Vous avez vraiment, je veux dire, en quelques mois, vous avez parcouru... vous avez une maturité artistique que je n'imaginais même pas lors de l'audition. Le monsieur qui est à côté de vous, bravo, parce qu'il a fait un travail remarquable aussi. Alors j'espère qu'on découvrira qui est son nom, qui il est, pourquoi il est là, etc. On va vous dire son nom tout de suite, on l'a dit. Thomas Sauvenière. Ben, formidable, Thomas, vous faites un duo merveilleux. Vous avez une belle carrière devant vous, vous êtes sur un boulevard. Moi, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire non seulement il y a une difficulté technique, il y a une émotion, il y a une relation, il y avait une vie intérieure entre tous les deux. J'ai passé un moment formidable et je m'arrête là, hein, parce que je pourrais encore continuer. Et maintenant, au moins, on sait ce que ça veut dire s'envoyer en l'air.